السلامة أنا راوية الانيماتريس أنيماتريس برودكتريس راديو وانتم تسمعوا في الحلقة العاشرة من بودكاست خدمة نظيفة كل مرة نستدعى ضيف ولا ضيفة باش نحكيو على خدمته

احمد قرا هندسه معماريه في تونس وفي فرنسا ولكن غرامه بالتراث خليه في الاخر يتبع منظمات دوليه اللي ينشطوا في, في برشا بلدان واللي عندهم برامج مخصصه pour la protection et la valorisation du patrimoine هو اليوم يعيش في قطر ويخدم على برنامج مخصص لليمن pour la protection تاع Patrimoine متاعو و restauration zed احنا حكينا على التراث بيان سور ولكن حكينا زيد على الهندسه المعماريه في حد ذاتها على القرايه متاعها في تونس وفي فرنسا والفرق بيناتهم على اهميه الثقافه العامه في المجال هذا ولا كيوريوزيتي دون بلس كما قلت لكم حكينا على التراث واحمد فسرنا لنا علاش هو اختار يخدم في اليونسكو وحب يخدم اليونسكو وكيفاش وصل يخدم في اليونسكو فسرنا لنا زيدا لو مود اوبيراتوار دو, دو سو جونغ واخيرا حكينا على علاقته بتونس والمدينه متاحة ونشاطه الجمعيات فيها نخليكم تسمعوا ديسكوشن مع احمد زاوش عجبتكم نسيتي باش تحطوا دي كومونتير ولا دي لايك باش تبارطاجيو اي دو من لي دو ديفوزيون كيما سبوتيفاي ولا ديزر ولا ساوند كلاود Apple Podcast ou Google Podcast. Bonne écoute. Parce que l'architecture, voilà, c'est la, la projection au sol des rapports humains, des interactions, d'une pensée des bâtisseurs. Euh, J'ai eu la chance d'interviewer des figures majeures de, des arts et de l'architecture, que ce soit euh, Daniel Buren, Massimiliano Fuxas, euh, Claude Parent, Paul Virilio. J'ai toujours voulu travailler à l'UNESCO. Alors, il n'y a pas d'agence de l'UNESCO, en tout cas en montant. L'UNESCO n'est pas présente en Tunisie. Et vraiment, le stage, c'est le seul moyen de percer dans les organisations internationales. Il y a tout le monde qui fait une stages, stage, des conseils, etc. Je leur explique que les stages à les ne sont pas rémunérés. Uh, you have to be likable. Mais on t'aime bien. Et que tu as une personnalité nage, nage, mouirte, c'est là où tu peux percer parce que c'est un, c'est un domaine, c'est un secteur où tu peux pas travailler seul, c'est impossible. Ahmed, shnakhoulk. Aishak lebes. Ça va, très bien. Moi, je suis contente. En euh, fait, wena jen chamam koltar. On est quasiment au dixième épisode. Et femme athlète amène un -um flumdin. <laughs> un, un, un pourcentage énorme alors que j'ai pas l'habitude de me chier enfin j'ai perdu l'habitude plutôt donc sonde sou laïla ou ta enti فرحانه لان رجعت هنايا اليوم باش نحكيوا على un métier en tout cas à titre personnel un peu méconnu ou encore pas très bien connu fitounes un corps de métier elli saat on se demande même qui fait chlabet dirthul bak tellement on n'en parle pas tellement on ne on le valorise pas elle est trop fait chi gel mokhabed باش يخدم la مهنه هذه اليوم باش architecture ahmed

l'architecture j'ai eu la chance de baigner dedans tout petit j'ai toujours habité nous avec mes parents film et dans une maison traditionnelle avec un patio et du coup j'ai toujours été une curiosité un éveil un attachement très fort à l'architecture traditionnelle au patrimoine en particulier mmh. Mais c'est aussi euh, une inquiétude en fait qui m'a euh, renvoyé vers les, les études d'architecture parce que quand tu habites Flimden et que tu es jeune, autour de moi un peu partout, ce que tu vois, c'est pas de très belles opérations qui sont assez récentes dans l'histoire Flimden, mmh. c'est des destructions, des destructions, euh, des infractions au code du patrimoine, des monuments qui s'effondrent, euh, des maisons qui se vident, euh, c'est des commerces de matériaux et du coup, ça a toujours été un motif de d'intérêt et de préoccupation. Bon, D'ailleurs, un petit fait ma Antistri, c'était cette période-là, les Salophiers, les, les plus grands changements, donc euh, les années 80, fin des années 80, 90. C'est oui, c'est début des années 90 début avec années les 90 premières 90. opérations euh, d'envergure, à la fois des opérations de valorisation comme euh, toutes celles qui ont été initiées, les premiers hôtels de charme aussi mmh. quand on était mmh. à l'école mmh. d'architecture ensemble. Je me souviens Exactement. que c'est là que les premiers hôtels commençaient à voir le jour. Euh, c'est aussi l'ASM qui a connu son heure de gloire à l'époque. Il y avait un centre pluridisciplinaire et qui était nos voisins donc je donc les là, voyais la de sauvegarde de, Médine, de la médina voilà. de ouais. Tunis absolument ouais. l'INP aussi qui a fait un très beau travail et puis euh, donc c'est comme ça que j'ai baigné tout petit dans, dans ce milieu ensuite j'ai étudié au lycée Carnot à Tunis qui était aussi euh, Lycée Bourguiba et donc du coup euh, je traversais tous les jours le centre-ville, le Medina dans un bâtiment à l'architecture vraiment incroyable. Où ouais. Quand on se balade le Lycée Bourguiba, on a l'impression de, de voir des fantômes d'une un, institution qui est un peu disparue avec ses, ses, ses tables d'époque, ses architectures, ses salles de théâtre, les vitraux, certaines parties du bâtiment qui étaient toujours fermées et qui alimentaient plein de euh, tout l'imaginaire des étudiants, mmh. de fantasmes, etc. Donc j'ai toujours été dans, dans ces lieux un peu historiques. Donc dans donc... une sensibilisation, ça a que vraiment... Euh... Oui. Par et du je fait de, voilà, du, du lieu où j'habite et puis euh, des fréquentations, des amis. Tu en parlais, justement En fait, j'en parlais et je voulais toujours faire de l'architecture. On me disait, je suis une famille de médecins, mais non, mais Louis, ouais. je... <laughs> tu fais des plans, etc. Louis, tu fais de <laughs> l'architecture, tout le monde peut construire tout seul. Et en fait, en tout cas, mes parents étaient convaincus qu'on pouvait faire de l'architecture sans architecte. Bah, c'est ça. Et ils prenaient l'exemple, les architectes, c'est des maîtres maçons et des gens qui ont du goût et une tradition qui se perpétue. Donc, fait, fait de la médecine c'est bien la médecine mmh. qui l'architecture dans une famille de médecins ça paraissait sinon un peu fou du moins totalement inutile en fait oui, oui. Mais malgré tout, j'ai tenu bon et donc j'ai commencé mes études d'architecture après le bac. J'ai fait une année à l'école d'architecture de Sidi Saïd, qui était une ouais. euh, très très belle année. C'est là qu'on euh, s'est connus. C'est <laughs> là qu'on s'est connus, absolument. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir partir et de, de voir autre chose. En fait, je voulais aller en France depuis toujours. Et du coup, je suis allée à l'école spéciale d'architecture j'ai eu mon master d'architecte. Bah, C'est un parenthèse. Ainsi Donc, euh, juste pour dire, back, l'architecture, c'est un choix qui se fait par rapport au score, etc. Donc, donc il ouais. faut un minimum de, 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 de de, de bons scores, on va dire une mention plus ou moins. Mais oui. je n'aime l'architecture. Mais tu as l'architecture, Felleno, Saïd, qualité à moi, quand même. J'ai validé mon année et Allez, ensuite j'en ai en ta... eu que... Voilà, <laughs> Qu'est-ce qui s'est passé le première année, Qu'est-ce qui t'a déçu Voilà, c'était les premières années de l'école d'architecture de Sidi Bou Saïd. On a eu des profs extraordinaires. la deuxième année, C'est la deuxième année. Ouais. On a eu des profs extraordinaires, donc c'était euh, très intéressant mais on était aussi dans une école qui euh, avait vraiment un manque de moyens, où la bibliothèque était inaccessible, pour avoir une thèse on ne les retrouvait jamais, ouais. où les livres d'architecture n'étaient pas à la disposition des étudiants, où le matériel, les équipements n'étaient pas toujours euh, au fait, il y avait certains cours qui étaient pas très satisfaisants, mmh. qui étaient un peu archaïques. Et puis avec le groupe des étudiants d'architecture, de on a monté un journal d'école qui s'appelle Courant d'air. Ouais. Tu t'en souviens peut-être bah oui. Et donc dans ce courant d'air, pour la première fois, les étudiants ont pu porter leur voix auprès bien. des enseignants, dire ce qui ne marchait pas. Et en fait, c'est un jeu un peu vicieux parce que quand tu te lances là-dedans, dans une critique un peu acerbe de l'institution, tu noircis le tableau et tu vois tout en noir. C'était quand même intéressant parce que ça a permis de. C'était aussi à l'époque la réforme des études d'architecture. Bon, il y a eu pas mal de soucis à l'époque entre étudiants et enseignants. Et euh, j'ai fait un peu de grabuge. Et du coup, le seul moyen de, de s'en tirer, c'était un peu de partir. Et je voulais vraiment voir autre chose, être dans une ville aussi, parce que étudier l'architecture, ça se limite pas vraiment. À l'école. Ouais. Et du coup, être dans, dans même une temps, ville... C'est pas, euh... pas mal situé. Tu vois, mais quand tu étudies par exemple Picasso ou alors le surréalisme ou le mouvement moderne architecture et que tu n'as pas accès à, ni dans les librairies, ouais. ni à la bibliothèque de l'école, aux ouvrages de base. Alors que dans d'autres villes, un peu partout en Europe, tu as cinq conférences en ville sur le même thème, des expositions mmh. itinérantes. Où tu as un contact avec des praticiens, des historiens, des chercheurs. Donc, c'était vraiment un milieu plus attractif et plus attirant. Et j'avais déjà des amis qui y sont allés. Donc, rat... Paul, qui fait que tu t'alimentais justement de tout ça à côté Comment tu savais Parce que nous, en tout cas, on est pour ma part, en première année, je me posais même pas ce genre de oui. questions. Qu'il y avait mieux ailleurs Je ma Donc, quand tu a un des profs en fait de l'école d'architecture, euh, j'avais des profs extraordinaires qui ramenaient pas euh, dans des couffins, les livres de leur bibliothèque personnelle ouais. et à qui on, et donc on pouvait consulter les livres et on les restituait à la fin de l'année, qui nous mettaient en contact aussi euh, avec des gens qui faisaient des conférences, qui invitaient essayaient autant que possible d'inviter des professeurs étrangers. Et puis surtout, j'ai eu pas mal d'amis et de cousins qui ont eu la chance de partir directement après le bac. Et du coup, je voulais absolument suivre un peu le modèle. Je voyais ce qu'ils faisaient, je prenais des nouvelles. Et ça, suscitait une forme d'intérêt, de curiosité, de jalousie peut-être parfois. Et je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à convaincre mes parents. Parce que ce n'était pas facile. Je me suis je vais partir. On va faire des sacrifices, on t'enverra où tu veux. Mais l'architecture à l'étranger, c'est hors de question. Moi, je leur ai dit, c'est l'architecture où j'arrête les études, au RIA. Arrête les études. Arrête les études. <laughs> et, puis, <laughs> et puis, ça a pris quelques mois de négociations. Il y avait ce concours à l'école spéciale d'architecture, donc je l'ai passé, j'ai été reçu et j'ai eu une bonne note au concours et c'est là que ça a encouragé mes parents à m'envoyer à cette école. <laughs> puis, a y avait ce à école donc <laughs> Dans le à l'architecture. Ça c'est pour pour expliquer un petit peu. On peut à tout moment euh, passer ce genre de concours et partir, continuer ses études le bas là Alors on peut le faire dans certaines écoles où il y a des examens d'entrée, notamment en premier cycle, en licence, c'est le cas de l'école spéciale d'architecture. C'est une école assez ancienne du 19e qui a été créée par un grand architecte, le Duc et qui a toujours promu une architecture très... Voilà, l'ingénierie, plus mmh. que l'enseignement des beaux-arts classiques en France. Et du coup, ils sont assez ouverts parce qu'ils reçoivent énormément d'ingénieurs qui viennent compléter euh, leur cursus par l'architecture, des gens qui ont fait du... Design de produits, j'ai eu à la architecture. Bon, ça reste une école privée, Maratha, c'est pas donné. Et ouais. euh, Maratha, quand tu dis je passe le concours, oui, mais il faut aussi euh, pouvoir trouver les moyens de se faire financer et c'est pas évident. Et les écoles étatiques le terme, Les écoles publiques euh... ont aussi un coût, maintenant notamment pour les étudiants étrangers, mais on peut aussi passer les concours et être admis en, en équivalence en fait. D'accord, on peut. Parfois intégrer, on rate euh... une année voilà, peut-être. Mais là, franchement, pour le gain en... à long terme, ça vaut le coup, euh, franchement. Alors arrivé en France, on est en, je crois, j'imagine 2003, Hajahaka. Euh, 2002-2003, Hajahaka. J'arrive donc à la Cité universitaire, j'habitais là. Euh, et c'était extraordinaire parce qu'il y avait une cinquantaine de maisons partout dans le monde. Et du coup, euh, bon, c'était des étudiants du monde entier. C'était le premier contact avec certaines formes de diversité, avec des gens du monde entier. À l'école, qui était assez internationale, il y avait des gens de partout, euh, de l'Iran jusqu'au Canada, du monde arabe. Donc c'était assez étrange et du coup tout ce qu qui était pour moi les bases de l'architecture sur la médina de Tunis le patrimoine etc c'était et qui était très présent dans l'enseignement à ouais. Tunis l'histoire de la ville et puis euh, tous les mouvements qui ont sont passés par la Tunisie les mouvements de l'architecture en tout cas que ce soit l'arabie etc là bas c'était quelque chose d'anecdotique ou parfois même insignifiant et on était plus dans des réflexions globales sur l'architecture sur euh, l'architecture contemporaine avec des, des professeurs qui ont des agences euh, qui cartonnent qui mmh. construisent énormément partout dans le monde donc c'était vraiment c'était un peu ça déstabilisé ce que dire, ça mais ça a été c'était un peu étonnant parce que tu es venu avec une mission quelque part enfin, oui. dé... et du coup là ça a été une ouverture sur un champ d'interrogation un peu plus large euh, avec beaucoup aussi d'accent sur la philosophie, sur la sociologie, euh, sur les arts plastiques, et ça a été une période d'effervescence extraordinaire, tu vois, de, de, vraiment d'intérêt croissant pour l'architecture et toutes les questions autour des sciences sociales, etc., qui m'ont toujours passionné, euh, même à, à Tunis. Et donc, c'est comme ça que j'ai poursuivi euh, ma scolarité jusqu'au master, et j'ai soutenu un master sur... Euh, pour le concours, en fait. Mon, mon projet de master, c'était le concours de réhabilitation du quartier des Halles à Paris, et je l'ai fait en binôme avec une amie chinoise. Donc, c'était vraiment <laughs> passer de la médina de Tunis à un concours pour la ville de Paris, pour le quartier des Halles avec une binôme chinoise. C'était quelque chose d'assez délirant pour l'époque, oui. mais... Challenge. C'était un challenge, mais c'était une très, très belle époque. Et puis, très vite, Vite après le master d'architecture, bon, s'il y avait une certaine forme aussi d'insatisfaction. Pour moi, c'est le même euh, cursus fitouns, que, que Balabas. Absolument. Euh... C'est trois ans ouais. licence, cinq ans au master, et puis éventuellement post-master pour faire soit un doctorat, et soit avec une spécialisation. Avec une spécialisation. Et Nalanijan Balbeshi, coup... et... je fais un peu. le euh, Je taquine un petit peu, mais par rapport aux deux enseignements sous ou fitlinsa, qu'est-ce que qu'est-ce que. Est-ce que ando tunes quand même quelque part de faire des, des études d'architecture fitunes ça a quelque chose de absolument ou sinon en France à qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est -ce, quoi la plus value et la valeur ajoutée ce qui était passionnant, c'est tous les cours en, autour de l'histoire de l'architecture et du patrimoine qui ouais. étaient d'un très très haut niveau. Et je me souviens, j'étais fasciné par un professeur d'architecture, Ali Gerbi. Ouais. Je pense que tu l'as eu, c'est Ali. <laughs> bah, C'était mon, di avec... mon directeur de mémoire. Hein. Ah, avec la, la sémiotique de l'espace et de voir dans chaque élément d'architecture traditionnelle le sens profond des symboles, de voir qu'il n'y a pas de gratuité en architecture et de voir que dans la mosquée, chaque, par exemple, ou dans un monument, chaque geste, chaque détail a un sens, que ce soit un ornement de céramique. Une forme mmh. d'un plafond et que tout est lié parce que l'architecture, voilà, c'est la, la projection au sol des rapports humains, des interactions, d'une pensée des bâtisseurs euh, avec toutes les dimensions aussi liées à l'économie du bâtiment. Euh, quelles contraintes économiques ont forcé tel ou tel choix à l'époque Quelles contraintes physiques, structurelles, environnementales Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des tours de verre mais plutôt des maisons fermées autour d'un patio Donc c'était de réfléchir au sens profond euh, et puis je dirais presque la dimension spirituelle de l'architecture. Et ça, c'était fascinant, c'était extraordinaire. Ensuite, par rapport au... en France, ce qui était plus intéressant, c'est les ateliers de projet. Parce que on vous met en situation de mmh. réponse à une commande réelle. Mmh. Donc il y a on par exemple en, dans la réalité, euh, dans, du la réalité <laughs> dans la réalité du marché. Donc c'est une mairie par exemple qui veut transformer euh, un bâtiment industriel sur son territoire et qui demande, au lieu de, de passer par des architectes, elle demande à des étudiants de faire des projets ah, pour trouver des idées intéressantes ouais. en fait. Ça, bien sûr le projet ne sera pas construit, mais c'est d'aller sur le site, d'interagir avec les gens, euh, d'écouter la mairie, de proposer des voilà des options de réaménagement. Ça c'était passionnant. Et puis le contact avec des architectes internationaux qui malheureusement à Tunis n'était pas possible oui. et donc dans ce type d'école comme à Paris on peut inviter des conférenciers d'un peu partout et c'est là que j'ai pu euh, j'ai eu la chance d'organiser là aussi un journal d'architecture comme à Tunis en Algérie ça va au fait j'ai eu la chance d'interviewer des figures majeures de, des arts et de l'architecture que ce soit euh, Daniel Buren Massimiliano Fuxas, euh, Claude Parent Paul Virilio j'ai eu la chance, François Chau et d'autres, et ça a été publié et on a toujours encouragé les initiatives mmh. d'étudiants. Alors qu'à Tunis, quand on a monté le journal des étudiants qui s'appelait Courant d'air, ça a été vu par une forte une forme de défiance. En plus, à l'époque, c'était encore Warq Ben Ali, donc Trahilfah euh, euh, etc. Ce n'était pas toléré. Donc mmh. on était toujours vu comme des éléments perturbateurs, des agitateurs. Et on avait l'administration un peu sur le dos, on était un groupe de 5 ou 6. Mais là, par contre, euh, l'école en France a proposé de payer l'édition, l'impression wow. du journal, de le diffuser, à l'envoyer à toutes les autres écoles pour montrer ce que leurs étudiants veulent faire. Et Donc du coup, c'est la, la vraiment de faire confiance aux étudiants, de laisser libre cours à l'expression euh, libre, vraiment publique, au sein de l'école, d'avoir un débat d'architecture, d'avoir des rapports beaucoup plus horizontaux et décomplexés entre étudiants mmh. et euh, étudiants architectes et, et professeurs. Et puis, c'est le fait d'être dans Paris qui est quand même une ville, moi, en ébullition extraordinaire, avec les conférences, les séminaires, les expositions, les, les librairies, le centre, j'ai passé des dimanches à, au centre Georges Pompidou à pouvoir lire des livres d'architecture que je ne voyais nulle Ça part indique. ailleurs. Tout ce qu'on <laughs> avait à Tunis, c'était les éditions Tachène, et les Sa'at Narkahm, Sourdabérine, tu vois, des vieilles éditions qui dataient déjà de 20 ou <laughs> 30 ans, euh, et c'était déjà dépassé dans les années ouais. 90, il y avait très peu de revues, euh, Archibat n'était pas encore euh, mazel, très... Mais Mazel, c'était les, les tout débuts en fait. Il y avait Archibat, je pense, quand j'étais à l'école, il y avait le premier ou le deuxième numéro d'Archibat et c'était fascinant, je le voyais ouais. à l'époque. Mais ensuite, bon, donc du coup, j'ai continué sur cette lancée. Et en sortant de l'école d'architecture à Paris, ma première expérience a été de travailler dans un groupe de presse d'architecture, ah. donc de prolonger cette expérience d'étudiant. Donc, on a une, une envie de de communiquer autour de l'architecture, hey. en fait, de l'expliquer, de la documenter, de faire des recherches. Donc, j'ai travaillé dans le magazine DA d'architecture, ouais. euh, qui a été un magazine assez lu en fait en France, où j'ai eu la chance de couvrir des, des productions contemporaines, euh, de faire des entretiens avec des responsables du patrimoine, avec des responsables de l'architecture, et puis par la suite, chemin faisant, j'ai travaillé dans des agences de conseil à Paris, dans des agences d'architecture. Est-ce que réseau, justement, les contacts qu'on se fait, les grands architectes qu'on interviewe, les, euh, les conférenciers, les tâches ilmo takimar, est-ce que c'est quelque part Et là, je me permets parce que je peux, on peut aussi donner des conseils. Développer son réseau, bien sûr, de manière différente. Lum, on est vraiment dans le, dans le virtuel et dans les réseaux sociaux, etc. Mais à cette époque-là, de prendre contact avec toutes ces personnes-là, est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui t'a aidé dans la construction de ta carrière professionnelle as le, le réseau que tu t'es fait à travers euh, ce genre d'activité para universitaire. Franchement, sans ces expériences para universitaires, j'aurais jamais pu réussir ce petit bout d'expérience professionnelle qui est la mienne, ça a été un élément fondateur d'aller au culot. Quand tu vas à une conférence à Paris que tu as Remcolas qui est là, pour poser une question. En fait, moi j'étais en admiration, c'était un peu le dieu de l'architecture devant moi, donc je me souviens, j'étais tellement idiot à l'époque, je levais la main pour lui dire "Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je suis absolument choqué." Et en fait, je veux intervenir et on n'avait pas le temps d'intervenir parce qu'il partait. J'étais tellement agressif pour dire, écoutez, je ne suis pas d'accord, il faut absolument qu'on en discute. Il me dit, OK, OK, je vais venir discuter avec vous. Ah, Donc la quand il vient la, à... provoque, <laughs> la provoque. Et quand il vient à la fin de la conférence pour me dire, alors, qu'est-ce qui vous a mis dans cet état, tu sais, jeune <laughs> étudiant Je dis, non, je voulais vous dire vraiment que j'admire <laughs> vos projets, et que je suis intéressé de faire un stage, etc. Et du coup, il tombait un peu dénu. Mais c'est vrai que quand on rencontre des étudiants ou enfin des professeurs et des comme ça des personnalités assez connues quand on conduit une interview ça crée une certaine forme de relation privilégiée quand mmh. l'interview est publiée quand on voit des gens dans, dans des musées et donc mon conseil c'est vraiment d'y aller au culot ouais. il faut être audacieux ne pas hésiter il faut taper à toutes les portes parce que le meilleur moyen de trouver des stages de, par exemple moi mon stage d'architecture dans une maison d'édition et un groupe de presse je ne l'ai eu que parce que j'ai fait deux journaux d'étudiants à Tunis et à Paris sinon jamais j'aurais été pris euh, les stages d'architecture c'est aussi des gens qui étaient euh, professeurs en fait en atelier c'est des gens que j'ai rencontrés lors des visites d'études de voyages d'études et donc c'est vraiment réseautage, construire ouais. son réseau professionnel et puis, c'est tout ce qui fait la qualité d'un étudiant, c'est pas juste ses scores, c'est aussi comment il s'implique dans la vie de l'école. Oui, je pense que l'idée est de faire des choses, c'est de faire des stages. Mon père ou ma mère. On dit qu'on a fait des cours, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des stages. Mais en fait, quand tu as tellement d'opportunités, tu peux faire des choses extraordinaires au jour le jour, un blog, euh, un site web de photos, etc. et c'est là où ça peut ouvrir des opportunités et en plus, nouvelles. Ça devient de plus en plus facile tellement enfin, ma Instagram. Facile. Enfin, ma, ma, des, ma, enfin, on peut vraiment et c'est très visuel, donc oui. l'architecture est très visuelle aussi. Donc nage moins de Toutes nos pensées euh, dans ce genre de. Et c'est là où tu peux te démarquer, faire une petite différence et peut-être un jour susciter un intérêt. Alors ça marche pas la première, la deuxième, la troisième fois, mais comme dirait Victor Hugo, à la septième fois les murs tombent, tu vois. Et du coup, on se dit bon, quelle marche est menée de façon ou stage ou échoue Mais on lui donne une chance ouais. et puis on, on verra. Et puis c'est important de faire des stages dans des domaines différents, même si on se dit, par exemple, moi j'aime voilà que l'architecture des hôpitaux, l'architecture des maisons. Mais c'est vraiment important en architecture d'essayer de un tour. peu de tout, de faire le tour pour comprendre qu'est-ce qui nous passionne et qu'est-ce qui nous intéresse en fait. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará tudo que quer me dar. Over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change. Tudo que quer me dar Everything you want to demais. give me, it's too pesado. much. Não it's heavy. En tout cas, la passion de théâtre, déjà, me Le bas donc c'est plutôt le patrimoine, c'est matériel et immatériel, je pense. Aussi, soyé. et ça, ça a été un peu une frustration à l'école d'architecture en France, parce que la question du patrimoine n'était pas omniprésente comme elle est à Tunis. Ils ont eu leur temps de, de digestion. Ah, pour Il étaient... <laughs> y, y a quand même un intérêt, en tout cas un enjeu croissant pour le patrimoine mm. que j'ai ressenti à l'époque à l'école d'architecture. Et, et, je, et je voyais que l'architecte, tu vois, bon qui pouvaient faire des projets, répondre à une commande ou reconvertir un bâtiment, la force d'influence, pour changer un patrimoine, changer une manière de sauvegarder. Et du coup, je voulais poursuivre mes études pour, euh, à Sciences Po Paris, donc j'ai passé un concours. Et là, c'était l'occasion d'étudier davantage les questions donc, foncières d'un bâtiment, les questions euh, économiques, les politiques de la ville, l'urbanisme, euh, les politiques de sauvegarde du patrimoine, les conventions internationales. Donc c'était un peu l'échelle d'un bâtiment de l'architecture contemporaine à celui du quartier, d'une ville, et comment sauvegarder le patrimoine euh, dans ces ensembles euh, historiques. Donc, attends, un Malte euh, Master, kamalt Malte, elle, elle colle, le 5 ans, oui. et après... Vous êtes un autre Master. D'accord. Euh, à Sciences Po Paris, ouais. en urbanisme et aménagement du territoire. Très bien. Donc, pour euh, pouvoir développer... Euh... Pour pouvoir euh, m'intéresser davantage, voir, c'est-à-dire, que l'architecture euh, du côté de la, la maîtrise euh, d'ouvrage, en fait, du côté de la commande publique, comment ça marche, du côté des décisions... Quelles Qu sont les politiques Comment ça marche au niveau des municipalités, des collectivités territoriales, des départements, par exemple, des régions Bon, ici, on a des gouverneurs en Tunisie, mmh. de voir comment la prise de décision se fait, Exactement. comment le montage de projets se fait d'un point de vue immobilier. Quels sont les mécanismes liés au droit, à l'économie, à la gestion du foncier, au rachat du foncier euh, à la gestion du rapport avec les citoyens, à elle les... elle ce rapport de concertation publique, quels sont les mécanismes qu'on met en place. Donc c'était vraiment du côté de la décision publique de voir comment ça pouvait marcher pour faire changer les choses. Mais ça, il n'y a pas d'équivalent dans ce genre de formation euh, wallah, Il y a un institut, je pense, d'urbanisme à Tunis, il y a la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales aussi, qui étudie le droit, et notamment le droit immobilier, le droit foncier. Ouais. Euh, on a un code du patrimoine à Tunis depuis 1994, mais qui n'a jamais été appliqué, et les, les décrets-lois, bien qu'ils soient prêts, n'ont jamais, jamais encore été votés. Donc c'est pour ça qu'on a un cadre juridique et politique totalement inefficace pour mmh. protéger le patrimoine en Tunisie, euh, bien qu'il y ait une nouvelle volonté politique qui, qui essaie de, de faire changer les choses depuis quelque temps, depuis au moins un an ou deux. Mais là, c'était vraiment différent parce que c'était aussi un contexte de mise en réalité, donc de commande publique, euh, d'interaction. On, on devait produire des études pour euh, des maires ou des élus locaux. On devait euh, proposer des options sur comment organiser une concertation, par exemple, entre les riverains et euh, les décideurs pour réaménager une place publique, voir quel est l'impact sur le quartier, euh, quel type de monument valoriser. Donc c'était vraiment multidisciplinaire. C'est ça qui était intéressant. C'était d'aborder abord l'architecture sous l'angle aussi économique, politique, oui, social, tous oui. les enjeux qui sont liés à, à l'intervention dans, dans un espace public en fait. Oui. Donc ça a été intéressant. Donc j'ai fini mon master d'urbanisme. J'ai travaillé dans, dans des agences aussi de conseil dans ce domaine. Et puis dernière étape donc, du cursus euh, universitaire, j'ai voulu entreprendre une thèse que je n'ai toujours pas soutenue en histoire du patrimoine, en histoire culturelle et sociale de l'art et du patrimoine. À la Sorbonne. Je n'ai toujours pas soutenu parce que j'ai préféré, quand j'ai trouvé un job, je me suis lancé en plein dedans, mais j'ai validé déjà cinq années. J'espère soutenir euh, bientôt, bientôt euh, sur les processus de patrimonialisation en Tunisie, c'est-à-dire ouais, processus. <laughs> alors, c'est un terme un peu, c'est un jargon un peu savant, mais concrètement, c'est étudier toutes les étapes, les trois étapes clés qui font qu'un qu patrimoine devient un patrimoine, c'est-à-dire l'inventaire. Ouais. Euh, ensuite, la protection juridique éventuellement donc euh, les textes de loi, etc. Et puis la requalification, donc tout ce qui est euh, valorisation économique, reconversion, changement d'affectation dans le lieu. Et donc ce sont ces trois chaînes qui font euh, la patrimonialisation d'un lieu. On étudie pour savoir qu'est-ce qu'on a, on le protège ou on le classe, et puis on revalorise et on donne une vocation nouvelle. Mmh. Et donc moi j'ai essayé de voir du temps du protectorat français. Chinoum a des priorités. C'était intéressant de voir qu'on s'intéressait beaucoup à l'architecture antique, à l'architecture traditionnelle. C'était plus comme... Euh, des arts un peu mineurs par rapport à, à l'importance de l'antique, de l'archéologie antique, ouais. de Carthage, des musées. Il y avait un art croissant en fait pour pour l'architecture traditionnelle, mais pas tant que ça. Et c'était surtout quand il s'agit d'architecture traditionnelle. Fort Starmar, Mata tout ce qui est euh, monuments civils et religieux, qui les grandes mosquées, ouais. Ce n'est que plus tard vraiment, Libye, que les, euh... ou, les palais, euh, les maisons un peu un peu plus ordinaires, la souer ou le Et donc je voulais voir comment le Centre d'intérêt, en tout cas au niveau tu des autorités je... du patrimoine, qui fait ce fait petit à petit les classements, les perspectives qui font est-ce qu'on a construit une science du patrimoine et on a constitué un savoir sur le patrimoine avant et après le protectorat français et il y a plusieurs idées reçues dans ce domaine parce que j'ai retrouvé euh, des fonds d'archives très intéressants en Fubelis, le fonds Poinçot et le 3 c'est une famille qui a donné trois générations euh, de responsables du patrimoine Fitoun, qui est le secrétariat des arts indigènes où euh, mmh. eh ben, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une conscience patrimoniale très importante. Ils ont fait même des relevés en train d'étudier, de codifier les motifs, euh, les formats, les matériaux, etc. Il y a eu aussi des premiers classements de Zé où il y a de Torba. Donc mmh. c'était plus complexe que ça. Et puis ils travaillaient en concertation avec des autorités locales et des élites locales très instruites et très au fait. Mme Hassan Hosni et d'autres. Donc c'était essayer de voir un peu plus clair. Alors mmh. euh, la thèse avance un petit peu, mais il y a encore du boulot. <laughs> en tout cas, ça a l'air passionnant, dit comme ça. Non, non, mais sérieusement, en fait, euh, la, la question d'Ima Pshnaj, j'essaie quand même de le, le, aussi, c'est passionnant ce que tu racontes, mais de le transférer un petit peu, un jeune kahadismatif. Donc un jeune, ce qui est intéressant, fait le fait tout le c'est le fait l'intim shitre l'essentiel m l bara les études bara donc euh le plus le col et que tu as gardé quand même en tête euh, de, 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 de de retravailler tout ça à la Tounes ou à le patrimoine de ta est-ce que c'est un truc qui est venu presque on va dire spontanément ou elle a dit mais tu avais en tête elle dit elle est a tout à même euh, le master manette euh, sciences po c'était aussi pour pouvoir appliquer certaines euh, certains process fitunes oh là et ça a toujours été un centre d'intérêt d'étudier le patrimoine mais aussi tout ce qui concerne l'artisanat oui, le tourisme et son application oui. En Tunisie, c'était l'objectif, c'était de retourner, de faire des projets, d'améliorer la sauvegarde du patrimoine. C'est pas évident hein, que tu appliques les, les le processus déjà en marche et tu viens peut-être. J'imagine que tu as trouvé des blocages. Tu trouves des blocages. J'ai toujours voulu euh, travailler dans une institution qui sauvegarde le patrimoine. Donc, j'ai fait des stages à l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis. Ah, C'était des stages vraiment passionnants. Mais j'ai toujours voulu travailler à l'UNESCO. Alors, il n'y a pas d'agence de l'UNESCO, en tout cas en montant. L'UNESCO n'est pas présente en Tunisie. Elle a existé il y a très longtemps. Mais là, euh, l'UNESCO euh, a un bureau régional, il y a le Marib, au Maroc. D'ailleurs, ah tous je... les gens. Ça a, existé, bah, le Wallahi, le... Ça a été un arbitrage politique. C'est tu sais, organis une organisation d'États membres, en fait. L'UNESCO, c'est intergouvernemental. Donc, il y a eu un siège à Tunis. Je crois qu'il y a eu un contexte un peu politique un peu difficile à l'époque. Et donc, le bureau régional pour l'ensemble des pays du Maghreb a été déplacé de Tunis à Rabat. Mmh. Donc là, le bureau qui couvre tous les pays dont la Tunisie est à Rabat. Et pour tous les gens qui cherchent des stages, c'est ce bureau-là. <laughs> c'est oui, oui, facile <laughs> de, de, de postuler pour un stage, m'a c'est euh, assez se Moi, je pense c'est euh, c'est pas facile, mais c'est accessible. En fait, il y a un site web, euh, mon Stage Web UNESCO, qui permet de mettre une candidature en ligne. Euh, il faut aussi euh, contacter les gens moi j'ai eu la chance d'avoir euh, directeur de master en et sciences po Lihawa khidemba donc il m'a aidé il m'a recommandé et le, le, le réseau aussi <laughs> très importante et ouais. c'est vrai que quand tu sors de, pour faire un stage obligatoire quand tu sors de sciences po ça facilite un premier stage en fait et vraiment le stage c'est le seul moyen de percer dans les organisations internationales à moins d'être je sais pas quelqu'un qui soit qui a déjà 30 ans d'expérience et qui est appelé en vertu de, de voilà son expertise contre, ouais. ou quelqu'un voilà, qui, qui, a, qui a des ressources euh, importantes, euh, comme ça arrive un peu partout, mais je pense vraiment que le stage, c'est ce qui permet de comprendre l'institution parce qu'on tourne entre différents services. Et moi, ma première expérience était en stage, donc j'ai décroché un stage au bureau des Nations Unies ici à Tunis, et il n'y avait toujours pas l'UNESCO, et j'étais très triste parce qu'il n'y avait aucune représentation de l'UNESCO. Donc j'ai commencé dans un exemple qui s'appelle l'UNFPA, le Fonds oui. des Nations Unies pour la Population. J'ai commencé un stage, ensuite ça s'est bien passé, on me dit est-ce que tu veux rester, nous aider un peu sur la communication, la mobilisation de ressources, donc ça m'a passionné. Je découvrais comment fonctionnent les Nations Unies, qu'est-ce que c'est, il y avait parfois des échanges avec l'UNESCO et donc on m'a mis en contact avec eux. Et puis euh, petit à petit je cherchais, je cherchais des opportunités et il n'y en avait pas. Et un beau jour il y a eu euh, un petit contrat là, de court terme à l'UNESCO à Rabat, contrat local donc vraiment très mal rémunéré etc., <laughs> et donc il fallait tu sais quand tu vas dans un pays étranger qui n'est pas le tien متى اسمك seul, tu كم أو تشوف دار وين بتشتوك نو etc un ou junior tu vois c'était pas c'était pas facile et malgré tout avec la passion j'y suis allé et j'ai commencé vraiment petit à petit à gravir les échelons. Bon, là, C'était Hlat l'UNESCO en 2009. Non, ça marche mieux. l'UNESCO en 2011, en fait. En janvier 2011. Ah. Et en même temps, c'était très frustrant parce que j'étais ah. enfin ah. là où je voulais être, à l'UNESCO au Rabat. Et en même temps, la première semaine où je suis arrivé en poste en janvier, des choses. Et tous mes amis voulaient revenir et moi aussi, etc. <laughs> Et j'étais vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Mais j'arrive au mauvais moment, et c'était génial, on peut maintenant critiquer Faire toutes les choses, violations, euh... le trafic d'objets archéologiques, on, peut, on pouvait dire et tout ce que l'on pensait. Quelques quelques les histoires de Carthage, etc. Il fallait, c'était Tunis, c'était The Place to Be, et tout le monde rentrait, et moi je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais à Rabat Et malgré tout, euh, j'ai eu la confiance des, des collègues de ma chef à Rabat qui m'a dit, bon, là tu as l'occasion de travailler sur la Tunisie, on va t'envoyer en mission fréquente au bout d'une semaine merci à merci Yamranira parce que je vais essayer de faire des choses là-bas Il dit on va t'envoyer souvent à la quinzeème et essayons de faire des choses et donc c'est comme ça que ah, c'est pas mal ça c'est vraiment un beau geste quoi oui c'est comme ça que j'ai commencé ça a été très long parce que ça a été toujours des contrats précaires de courte durée sans visibilité les contrats dans ce type de organisation de voilà organisation. Et moi j'ai eu des les contrats euh, les contrats les plus courts que j'ai eu c'est trois mois ouais. euh, les plus longs à l'époque c'était euh, six mois six ensuite mois. un an et puis petit à petit, on gravit les échelons, on se force une expérience, on se fait connaître, on participe à des réunions avec le siège, avec les autres bureaux. Est-ce qu'il faut être vraiment euh, passion euh, C'est un truc de langue haleine, Beshtoussel, tu t'installes confortablement dans, dans une organisation Alors moi, comme ça. avant de décrocher un poste international, j'ai passé vraiment 10 ans en contrat locaux à tourner entre les pays, ça. à être, avoir des petites missions de consultance. Mais c'est un processus extrêmement compétitif. Compétitif parce que, euh, évidemment, les gens du monde entier y postulent. Bah oui. C'est des postes qui sont prisés parce que voilà c'est assez attrayant au niveau de siège moi. Siège éjectable. <laughs> et puis c'est aussi il euh, y a une question de quotas en fait parce que quand tu es tarf colda ou la a une contribution financière de l'UNESCO ou on a un certain quota en termes de représentation ou de du fait de, des liens historiques mabinton sur l'UNESCO sont surreprésentés. représenter comme en France par exemple خاطر UNESCO siège a موجود في et du coup c'est très très difficile à ta compétence égale quand أنت عندك tous les critères tous les diplômes l'expérience quand y jik wahed ma d'un pays sous-représenté de je ne sais quel pays d'Asie ou du Nil ou à la Samoa mm. ou à la on lui donnera la priorité bah parce oui. qu'on on, s'attache à avoir un équilibre géographique et ça fait sens. On donnera la priorité aussi à des femmes. qui donc, c'est ouais. euh, si à des jeunes femmes qui nous écoutent, vous avez plus de chance, <laughs> allez-y, foncez. Mais vraiment, il faut commencer, à accepter de commencer. Malheureusement, Inatao Fiji ou le stage des conseils, etc., je leur explique que les stages à l'UNESCO ne sont pas rémunérés. Ouais. Et ça, ça décourage beaucoup de gens, en fait. et et souvent, j'ai l'impression que les gens mmh. fraîchement sortis de l'école veulent, de veulent déjà un poste de manager, directeur, Yurtsu, etc. C'est vraiment et, euh, Ça, la dernière C'est la dernière génération et on <laughs> le voit souvent, et ouais. euh, avec des prétentions aussi salariales très importantes. Alors que l'UNESCO, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas le secteur privé. Euh, il ne faut vraiment pas y aller si on pense euh, devenir riche et se faire, faire de l'argent. C'est un métier passionnant, mais euh, pour construire sa crédibilité, et quand on rentre jeune dans ces organisations internationales, ça prend beaucoup de temps. Et mais moi, et ça m'a pris 10 ans. Quand on est ans. senior, ça va, on est bien. Voilà, et quand on est senior, <laughs> euh, Hamdoula, ça on va. Est bien. <laughs> Hamdoula, ça va. Et donc, après Rabat, euh, j'ai postulé. Ça a été très long. Euh, le processus de sélection a pris 9 mois. Et donc j'atterris au siège de l'UNESCO. Donc c'était dans le sein des saints, au cœur de la machine à Paris, à Paris, énorme machine, un bâtiment construit par Le Corbusier, Marcel Breuer et d'autres, où il y a des, des conférences internationales, où il y a tous les programmes, les décisions qui se votent. Et j'étais aussi pendant euh, l'adhésion euh, historique de la Palestine comme membre à part entière état ah ouais. membre de ouais. euh, de l'UNESCO. C'était ça, ça a en, a été, euh, tôt, tôt, je en 18, euh, 2014, non. je pense ou 2013 ou 2014, je ne m'en souviens pas exactement de la date. Et c'était un moment extraordinaire parce qu'il y a eu vraiment une mobilisation de plusieurs États membres, c'était assez historique. Et c'est la seule organisation onusienne au monde où la, où la Palestine est reconnue à part entière. Et c'est assez conforme à l'esprit de l'UNESCO parce que l'UNESCO, chaque État, c'est une voix. Et donc euh, la, un pays d'Afrique subsaharienne a exactement le même poids qu'un qu pays que les États-Unis d'Amérique, ouais. par exemple. Donc ça a été l'adhésion de la Palestine, c'était un argument de fierté euh, très important, et ça a été aussi le moment où ça a fragilisé l'organisation parce qu'il y a eu euh, une coupure ouais. financière des États-Unis, ouais. un retrait d'Israël, un retrait des, des États-Unis à ce jour. Qui a imposé à l'UNESCO d'essayer de faire la même chose au plus, mais avec beaucoup moins de moyens. Mm. Donc, c'était une période où il fallait réformer les programmes au siège, et ça a été euh, vraiment une période extraordinaire. Constructive, j'imagine. Constructive. Maintenant, tu là pour euh, pendant j étais cette là. réflexion-là. C'était pour comment on va. On a, on a 30% ou 50% du budget en moins que ce qu'on avait. Comment est-ce qu'on peut maintenir nos programmes d'éducation les... au ouais. patrimoine, FIGAF, sautouz, avec zéro budget Qu'est-ce qu'on va faire Comment repenser différemment Comment est-ce qu'on peut faire des manuels d'éducation au patrimoine quand on n'a même pas d'argent pour les éditer Donc il fallait innover, mmh. avoir une réponse très rapide, euh, essayer d'être efficace avec moins d'argent. Et je pense que l'organisation, en tout cas l'UNESCO, euh, en est ressortie renforcée parce que euh, il y avait beaucoup de choses, comme beaucoup d'organisations et beaucoup d'institutions internationales, qui n'étaient peut-être pas essentielles. Donc il fallait vraiment voir où est-ce qu'on fait la différence, comment faire mieux. Avec moins d'argent, et je pense que ça a permis de rationaliser les deux, le déploiement des ressources humaines, le déploiement des programmes et la manière dont l'UNESCO intervient en fait. <médicules> تذكري لما امك شفتنا نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور طنطنت بلا كرافات وصبحيه انا Qu'est-ce que ça t'a apporté justement, Ahmed Bon, là tu viens à moitié de répondre, mais en tout cas de travailler euh, une organisation internationale plutôt que dans un. aussi, ça pourrait être un, un, une agence internationale. une agence dit je me salarié et avec des projets un petit peu partout dans le monde. C'est quoi la différence entre les deux voilà, c'est euh, l'UNESCO, contrairement à une agence de conseil international, c'est un peu l'agence intellectuelle des Nations Unies. Donc c'est l'agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui a un mandat qui a été créé après la deuxième guerre mondiale pour euh, promouvoir une coopération dans ces domaines de l'éducation, de la science et de la culture dans l'esprit des hommes. Euh, donc pour pacifier les sociétés. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, l'UNESCO est la gardienne de conventions internationales en fait dans le domaine de la culture. L'UNESCO a un sati il y a cinq conventions internationales dont la convention de 72, de 2003, de 2005, de 70 qui fixent des standards internationaux sur comment sauvegarder le patrimoine, comment, quels sont les enjeux, comment impliquer la société civile, quels sont les critères de qualité et c'est un peu... Uh, standard Setting Instrument. On dit c'est vraiment, on fixe les instruments, les critères internationaux. Et du coup, cette mission normative, c'était passionnant parce qu'il y avait quelque chose d'universel uh, et il y avait aussi la possibilité de travailler sur uh, l'ensemble des États membres. L'UNESCO a 193 États membres, une cinquantaine de bureaux, et y a 1000 sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial. Euh, il y a toutes ces conventions, il y a des domaines de compétences très pointus, comme euh, par exemple, on travaille sur l'éducation, sur euh, l'alphabétisation, sur la réforme de l'éducation. Dans la question des médias, on travaille sur la sécurité euh, des journalistes, sur la liberté d'expression. Dans la question des sciences, on travaille plus à la protection des écosystèmes et des biosphères. Dans le domaine du patrimoine, qui est mon secteur, donc on travaille sur la, le suivi des sites sur la liste du patrimoine mondial, les classements, la lutte contre le trafic d'objets archéologiques, la sauvegarde du patrimoine immatériel, comme tu l'as dit, l'appui aux industries culturelles et créatives, en tout ce qui est cinéma, danse, oui. art performatif, etc. Donc c'est un, un mandat assez large. Et puis contrairement à d'autres groupes euh, internationaux, il y a une neutralité politique à l'UNESCO. En fait, l'UNESCO, c'est vraiment une organisation apolitique, c'est une organisation d'États membres, euh, dont les programmes sont mis en œuvre par des. Experts dans leur domaine, dans ces différents secteurs, et qui a donc une crédibilité et qui peut travailler avec tout le monde, aussi bien à la société civile euh, que les gouvernements ouais. successifs, que le secteur privé, et à la la possibilité de fédérer tous ces acteurs et j'ai trouvé mon épanouissement là-dedans parce que voilà c'était d'abord un environnement multiculturel avec moi j'ai des collègues dans tous les postes que j'ai occupés jusqu'à ce jour la nationalité représentée donc c'était très enrichissant. Uh, FAM a donc les programmes qui sont superbes, notamment ce côté normatif, le suivi des conventions, les projets de réhabilitation, et je te dirai plus tard qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui. Mmh. Et puis, euh, vraiment d'être dans, dans ces, ces structures de prise de décision qui essaient de, de faire avancer les choses. Donc ça, moi, ça m'a intéressé. Et je trouve que c'est un métier différent de celui qu'on ferait en agence de conseil, parce que euh, en agence de conseil, peut-être tu as géré comme un expert ou un spécialiste ouais. pour produire une étude ou un, ou un livrable particulier. Tu n'as pas seulement un rôle d'expert dans un domaine, tu dois aussi gérer euh, la mise en œuvre d'un programme. Donc tu es gestionnaire, tu mobilises les ressources pour ton programme, Pratunesco a peu de budget. Comment tu gères la communication de ton programme, la communication diplomatique aussi avec les États membres auprès desquels tu es redevable, les progrès, tu as des relations avec de concertation avec la société civile. Il y a aussi les actions de formation que tu peux organiser, tu appuies aussi la production d'études, de recherches. Euh, ça aussi, c'est intéressant. Il y a tout le côté de, de plaidoyer, des enjeux euh, d'intérêt public. En disant, oui. Et puis surtout, ce qui est intéressant, je pense, c'est là l'argument qui m'intéresse le plus à l'UNESCO, c'est que tu peux travailler dans des pays euh, très, très différents. Et du coup, tu te nourris d'expériences et de pratiques d'un peu partout dans le oui. monde. Alors que donc, tu travailles dans un cabinet, Matalan, Fitoun, là ailleurs, tu travailles sur un territoire géographique particulier. Moi, j'ai eu la chance de gérer des programmes qui ont couvert dix pays du sud de la Méditerranée, Palestine, avec des organisations de la société civile, non seulement avec un rapport privilégié, mais en plus, Martha, euh, tu te nourris d'expériences, de contextes qui sont très différents et que, que tu peux mobiliser d'un pays à l'autre, par exemple, dans des contextes similaires. Et ça, j'ai trouvé ça intellectuellement euh, vraiment passionnant. stimulant, en fait. oui. 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 Et ça, ça, ça ne fout pas quand même une pression énorme, parce que tu as tawaken abedis maofi, euh, de travailler dans ce genre d'organisme. Comment on, on dépasse, euh, comment dire, je ne vais pas dire le syndrome de l'imposteur, mais comment, on, comment on, on, se, on, se, on se donne confiance voilà, c'est difficile de, de se donner confiance parce que c'est une mission très large. Et puis, on n'est jamais seul. C'est ça la chance. C'est-à-dire que l'UNESCO, quand tu travailles dans un pays, moi, là, je gère le portfolio culture, réhabilitation du patrimoine au Yaman. Euh, je ne travaille pas seul, j'ai à la fois, d'abord j'ai ma directrice, mon équipe, l'équipe que je gère euh, au Yaman, j'ai euh, un bureau qui est là pour aider, il y a le siège qui appuie également, et appuie tous les, les gens travaillent en réseau, tous les autres bureaux de la région qui aident en fait. Il y a les collègues au siège qui sont assez nombreux, donc c'est un métier vraiment où on travaille en équipe. Vraiment, moi, hey, moi on me travailler. dit souvent, ah, non ton best achievement, voilà la chose dont tu es le plus fier, franchement. J'ai du mal à imaginer un succès qui serait du fait de ma propre initiative uniquement. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais c'est souvent un travail d'équipe. Euh, et du coup, bon, la mission n'est pas facile. Parfois, les résultats tardent parce que... Comme dans toute bureaucratie internationale, ce n'est pas évident, mais il y a quand même un, une documentation des progrès qui sont faits et un travail en réseau qui est très, très important. Et je pense que pour les gens qui veulent travailler en organisation internationale, le côté interpersonnel et le côté développement des relations interpersonnelles, c'est en plus des stages, des compétences et des critères, c'est ce qui te permet d'évoluer. En fait, pour être apprécié, pour évoluer, souvent ma chef disait Uh, you have to être likable. Si on t'aime bien et que tu as une personnalité, c'est là où tu peux percer parce que c'est un, un domaine, c'est un secteur où tu ne peux pas travailler seul, c'est impossible. Ce qui est un peu différent d'autres domaines, en tout cas, oui. voilà, entrepreneuriat de, oui. dans son terme le plus basique. Hata, tu et as besoin de compétences mortelles finies, Salma. Voilà. Tu ne peux pas tout couvrir le droit, le foncier, les conventions, le plaidoyer, la communication. Marata, il faut des compétences d'un peu partout et les gens doivent travailler ensemble. Oui. Ils ont bien le cas bien et ils travaillent ensemble. Euh, Ahmed, euh, encore 5 à 10 minutes, mon bar n'a passé, donc je vais survoler deux, deux questions. Habit Najal Toons, parce que aussi tu as fait quand même un travail sur, sur le patrimoine Fitoons. Il y a eu euh, l'expérience de euh, l'association Alamdinaur oui. Absin. Il y a eu Redempte euh, Malaysium, je crois aussi. Oui. Donc comment on peut... Euh, voilà, plutôt, qui fait Charmalt, l'UNESCO, taf ture quelques quand même actions Fitoons. Ça se passe comment pour faire ça Bon, L'UNESCO, on avait des programmes en Tunisie qui sont t a t multiples. que <laughs> tu mais, <laughs> <laughs> mais qui m Après la révolution j'étais frustré de devoir quitter le pays parce que voilà, j'avais l'occasion de travailler à l'UNESCO, même plus à une échelle régionale ou internationale, et donc je voulais faire quelque chose au et Sondis que tu connais, a eu uh, l'idée formidable de fédérer les habitants de la Médina de Tunis, Fi Alfin ou Athnach, donc Baad Thaoura. Khatr, on voyait que Bard Thaoura, il y avait un relâchement encore plus important de l'État. Les monuments, il t'a dit, Ercha, ou Shayt Baaf, la au vu au sud de tout le monde le nombre de monuments détruits voilà, les infractions les itars c'était incroyable et donc les habitants ont essayé de se structurer pour la première fois de l'histoire d'Andine pour que la gestion du patrimoine ne soit plus du seul fait entre les autorités ou mais que les habitants ordinaires, le commerçant, le restaurateur, la mère de famille, du tout spécialiste du patrimoine, pour dire, selon le droit au patrimoine, ce qu'on appelle, le droit de participer à identifier les priorités du patrimoine, les opérations à faire, et le droit à tirer un profit aussi de la valorisation du patrimoine. Donc on a créé cette association avec une trentaine de membres. Mata Medina et de faubourg, association action citoyenne en Medina, il y a plusieurs initiatives et l'un des projets phares je pense ça a été le travail de documentation et de valorisation des hammams historiques de Medina. siècle l'étude وممكن 20 اخرين معناتها باغ سور لي 50 تهدو او كور دي 10 dernières années دونك يا اون اكسيليراسيون دي ديستركسيون دونك اول حاجه نعملوها ان ريلفي باش نفهموا شنو هو الباتريمون نتاع الحمام حتى واحد يحكم حمام يقول لك تحكي فارغه حمام وتمشي وبيت سخون فيه هو لواش تراث تمشي تغسل وتخرج وساعات فما عرس ولا تور وكهو Mais en fait, qui à l'étude, chauffe dans le patrimoine. C'est un conservatoire de technique architecturale. Là, oui. Mais le e siècle, jusqu'à nos jours, tu as tous les styles. C'est aussi un lieu de rituels, de fêtes. Mais ils ont plein d'obstacles. Les factures ont, ont explosé parce qu'ils ne peuvent plus chauffer au charbon. Les conditions d'hygiène, ils doivent mettre la céramique. Ils n'ont plus de coups pour restaurer. Et oui. puis, le public ne fréquente plus. Donc, on a fait des expositions internationales. On a ramené 20 photographes en résidence Huni. Euh, Arman a une exposition à l'Institut des cultures d'islam, FUBERIZ, euh, des expositions au film d'Inam le musée de la ville de Tunis, FLIFT. On a eu beaucoup de partenaires intéressants, notamment l'ambassade de Suisse. Et puis, il y a eu un travail de documentation, de concertation avec l'INP pour avoir une feuille de route sur comment rénover un Hamem, mmh. avec à terme deux Hamem pilotes qui pourraient être convertis, comme en Italie, par exemple, en, en salle de théâtre ou de spectacle mais l'expérience associative ça y est ben parce que c'est vrai que les premières années barres chaque année si j'oublie le bénévole là où il habouy yhtmo kol amakiftchu fili tu n'as pas les moyens d'avoir des salariés fil jamaïa mata l'essoufflement s'essouffle fitons souffle je sais ça marche le volontariat c'est fitons mata un peu après cinq ans après la révolution sur les a centaines de milliers de jamaïates on peut les acheter en barque et ils peuvent et si une association aujourd'hui n'a pas les moyens de se professionnaliser, comme mmh. c'est un petit peu notre euh, cas, c'est difficile de maintenir dans la longue durée. Mais néanmoins, il y a encore des membres actifs qui, qui essaient de faire mmh. bouger les choses. Charles, on a un podcast bientôt justement sur ça, sur le, le travail associatif, euh, qui peut aussi être euh, oui. un, un vrai boulot. Donc, euh, qui, comment on peut évoluer vers ça pour garder justement ce côté euh, femme à les volontaires ou femme à lits, ils sont salariés. Et donc, oui. ce qui permet de, de, de pérenniser un petit peu le travail associatif. Donc, le Hamem el pas été restauré. Pas encore. Encore. pas encore j'étais en train de la, la c'était les premières fois que les médias parlaient de Hamem et j'ai eu aussi <laughs> La l'alhamdoulilah Sophie Baraket donc oui, elle a la aussi el -ham euh, participé elle oui. a fait de très très beaux Magnifique. clichés mmh. dans un Hamem d'homme alors euh... c'était ahurissant elle a réussi à s'introduire dans un Hamem oui. d'homme <laughs> et à les photographier en pleine activité Exactement. alors que d'autres M. dans un Hamem d'homme ou Hamem en ruine et Sophie a fait un travail formidable en ouais. fait et ses photos sont superbes. <laughs> Vraiment merci en tout cas d'avoir osé euh, ce genre de projet. Le travail associatif, on y reviendra. J'arrive euh, à la fin. Euh, actuellement, justement, Ahmed. Euh Alors actuellement, je suis euh, manager du programme au bureau de l'UNESCO pour les pays du Golfe et le Yaman, basé au Qatar et je conduis particulièrement un grand programme de réhabilitation urbaine, Yaman, qui Feliaman. C'est l'une des pires crises humanitaires dans le monde. Malheureusement, les médias en parlent très peu, ouais. et merci vraiment de me donner cette chance d'évoquer Feliaman. Euh, on a quatre sites sur la liste du patrimoine mondial, maintenant trois sites sur la liste du patrimoine mondial en danger, Sanara ou Zabid. Ce qu'on fait, c'est qu'avec l'Union européenne, euh, dans ce contexte de crise humanitaire, Zidarliam, coronavirus, des pluies torrentielles, ouais. une crise politique, un conflit armé, le patrimoine a été affecté, a été affecté par des bombardements, certes, mais aussi par une négligence de long terme parce que l'État n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Ouais. Donc, manque de ressources, manque d'entretien. On a mis en place une modalité originale qui est expérimentée pour la première fois par l'UNESCO euh, dans un centre du patrimoine mondial. for Work ». En gros, tu as un petit salaire journalier, ouais. la population locale et surtout euh, les jeunes. Ouais, euh, ouais, et en échange de ce petit salaire, il y a autour de 12 à 15 dollars par jour ils viennent participer à nettoyer un monument, à faire la restauration d'un bout de bâtiment, à déblayer, à nettoyer, et donc il y a un revenu immédiat. C'est un petit job en fait. Et en plus de ça, ils acquièrent des compétences dans le métier du bâtiment. On un coaching coaching, l'association des maîtres maçons, donc il y a un coaching sur le site pour acquérir des compétences. Et lynchal, quand le pays entre dans une phase de reconstruction, il Donc on est en train de documenter les compétences concrètes, techniques qu'ils sont en train d'acquérir. Et puis, euh, en plus d'un de, voilà, soulagement des conditions sociales et économiques par ce petit salaire qui oh, leur permet d'acheter du matériel de base, matériel euh, sanitaire pour leur famille, des équipements médicaux, euh, des soins, etc. Et puis, le deuxième volet de notre projet, on travaille, en fait, il y en a deux autres. Euh, un volet important qui est la lutte contre le trafic d'objets archéologiques. Malheureusement, un pays en conflit... Dîma. forcément euh, oui. les objets Bolden, oui. le et c'est une catastrophe. Donc, on essaie de faire un inventaire des objets archéologiques dans le pays. On a fait des formations avec Interpol et la douane pour essayer de, de capter les objets avec les scanners. Euh, on forme des unités de police à traquer les, le trafic illicite et à essayer d'avoir une restitution qui fait les objets dans les salles de vente internationales, c'est des, des, des mm -hmm. objets yéménites. Donc, mettre les mécanismes juridiques pour restituer ces objets. Et puis, un dernier volet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est l'appui à la créativité euh, des artistes au Yémen. Alors, malheureusement, quand on, passe, on pense au yaman on pense toujours à un tableau noir. Mais il y a encore des artistes, aussi bien au Yémen qu'au Yémeni, dans la diaspora, qui ont une production contemporaine extraordinaire. Des cinéastes qui ont okay. eu des prix ou au Jéohata Masraha, le festival de Carthage. Des euh, filmmakers, ta, des, donc des cinéastes, des producteurs de films, des graphic designers, des photographes contemporains qui ont vraiment un art technicité, et une pratique extraordinaire. Il y a des chanteurs, des il y a des poètes. Aussi, ouais. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne une petite subvention qui varie de 10 000 à 40 000 dollars. Bon, c'est déjà une grande subvention. Ouais. Avec comme condition, c'est que le machelour, les bichurromobi... Il y un business model, eli il bishit des revenus de manière pérenne après l'exécution du projet. Matelan on forme une petite association, qui filme, qui, qui, qui va forme, qui forme déjà en fait de jeunes cinéastes à produire des films documentaires courts. Euh, et des petits rushs et à les vendre à la presse internationale qui ne peut pas accéder au ouais, pays. Ouais, Donc ouais, comment ouais. générer des revenus À des graphic designers qui après se trouvent à faire des rapports et de l'édition pour euh, toute cette armada d'agences humanitaires qui sont présentes dans le pays. C'est l'une des plus grandes présences au monde des Nations Unies dans un pays. Donc il y a plein de niches euh, d'emplois. Les, les industries culturelles et créatives, pour les jeunes et partout dans la région MENA, c'est le secteur qui a le plus haut. Taux d'employabilité. Je crois que c'est dans ce secteur, à peu près. Donc il y a un potentiel inexploité, mais il faut mettre les modèles économiques en place, montrer que c'est possible de générer des revenus et en même temps appuyer la situation des artistes sur toute cette chaîne de valeur. Mais le graphic design, le photographe, le cinéaste, le. Euh, danseurs et du humain qui sont dans une précarité très forte ouais. dans un pays affecté par les crises où la liberté euh, d'expression est difficile même dans l'espace public où les financements dans ce domaine ne sont pas jugés prioritaires ouais. parce que on pense souvent voilà, à la fourniture de médicaments, bah, de oui. soins mm. et donc c'est un travail qu'on a démarré, il y a déjà des résultats prometteurs, on a 40 monuments qu'on a déjà restaurés et protégés et on a à peu près 100 autres dans les pipelines là, pour l'année voilà, euh, qui vient le du on a démarré en 2019 c'est pas mal. UNESCO, Union Européenne, avec son Dourk Tadam et le Fonds Social pour le Développement, qui est une grande ONG et qui fait un travail vraiment formidable sur le terrain, et qui est une association yéménite. ça peut être dans, dans, à des échelles différentes, transposées dans d'autres pays. Absolument. On est en train de l'adapter maintenant à Irak, fait Mossoul, oui. ouais. euh, en Jordanie, fait le site Petra, c'est un site antique. Inch'Allah, yes. peut-être que c'est quelque chose qu'on peut envisager, Zedafili, bien ou Hatafi On chasse. On fera le bilan quand j'attends il y Moi, je fais Yaman, il le Qatar, mais Yaman, un jour, on pourra y retourner ensemble. C'est une civilisation de 2200 ans. Ouais. C'est les héritiers du, du royaume de Sabah, c'est l'Arabie heureuse et c'est un patrimoine exceptionnel. Ils ont les premiers gratte-ciels euh, du monde arabe, en fait, dans des architectures de boue, de pierre euh, ouais. plate et de briques. C'est absolument fascinant et c'est un patrimoine assez unique. Et ce n'est pas la responsabilité des yéménites aujourd'hui de le protéger, c'est un patrimoine Aïe, mondial. Donc c'est à nous tous en fait. Et c'est vraiment touchant de voir que... Chaké ou Tbaké ou Fitounous ou Kifchouf naissent dans un contexte de guerre, qui vivent à moins de 1$ dollar par jour, qui font des choses extraordinaires, qui ont cette créativité, qui gardent espoir, qui essaient de réformer les choses. C'est un sacré, sacré leçon d'humilité ça as que j'ai envie de gifler la légende leur dire et en plus on trouve le moyen de détruire ce qu'on a en fait et ça c'est hallucinant merci ahmed à la discussion on passion et c'est vrai qu'on y retournera un dans quelques années voir ce genre de d'initiative bravo de tenir bon parce que c'est pas évident qui m'a coûté le siècle héda de faire ce genre d'initiative et de choisir ce genre de, de chemin de carrière c'est très différent et n'allume peut-être des architectes qui sont dans d'autres parcours oui. mais on, parce que ça c'est un parcours assez atypique euh, mais euh, voilà, merci pour tous les conseils merci de la BD, peut-être dans des organismes internationaux qui n'hésitent pas à m'écrire, m'a toujours disponible et pour un conseil ma fait podcast. les liens euh, vers euh, pas. Facebook, LinkedIn, Instagram ce... j'ai toujours trouvé la chance de, de gens qui m'ont beaucoup aidé quand j'en avais besoin et du coup, vraiment, si je peux aider, n'hésitez pas à m'écrire ceux qui m'écoutent, je ferai de mon mieux je ne vous garantis pas <laughs> une réponse mais vraiment, pour donner un conseil à tout moment, Marat, merci beaucoup merci beaucoup, Ahmed Zaw, très vite, beaucoup, très vite. Merci.